Salut à tous les amis. Dans cette vidéo, Akinator va tenter de percer mes secrets les plus profonds. C'est parti. Première question, ton personnage est-il un youtubeur? Non. Ton personnage a-t-il vécu en France? Un peu, ouais. Ton personnage est-il célèbre? Non. Ton personnage est-il un garçon? Non. Ton personnage fait-il partie de ta famille? Ouais. Ton personnage a-t-il vécu sur une île déserte? Mon oncle, ouais, mais je pense pas à lui. Non. Est-ce que ton personnage est plus âgé que toi? J'espère bien. Ton personnage est-il généralement détesté? Ça dépend, mais non. Ton personnage a-t-il été enceinte de toi? Oui. Habitué avec ton personnage? Oui, je pense à ta mère. Comment ça, ma mère? T'es un ouf, toi? Ouais, bon, j'avoue, c'était ça, bien joué. 1-0. Maintenant, on va tenter de trouver un objet. A-t-il de la peau? Non. Cela coûte-t-il plus de 100 euros? Si t'es civilisé, ouais. Cela se branche-t-il? Non. Cela pèse-t-il plus de 100 kilos? Quand il est plein, ouais, ça se peut. Ouais. Cela fonctionne-t-il grâce à un carburant? Non. Cela a-t-il des vitres? Non. Est-ce que cela a-t-il été inventé par un Français? J'en sais rien, putain. Est-ce que la plupart des gens en possèdent? Oui, j'espère. Cela a-t-il été créé en 2012? J'espère pas. Peut-on dormir dedans? Quand t'as bu un peu trop d'alcool? Ouais, peut-être, mais non. Est-ce une bataille? Non. Eh, mais complètement à côté de la plaque, là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Peut-on mettre quelque chose dedans? Oui. Cela contient-il de l'eau? Oui. Est-ce un jeu d'automobile? Non. Cela rafraîchit-il? Non. Est-ce en rapport avec les toilettes? Oui. Je pense à un WC. Oui, champions. C'est méchant. Ensemble, c'est le... Ton personnage est-il de sexe féminin? Non. Ton personnage a-t-il vécu en France? Non. Ton personnage est-il un Saiyan? Non. Ton personnage fait-il des combats? Oui. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Non. Ton personnage est-il gentil? Ça dépend si tu le fais chier ou non. Mais oui, il est gentil. Ton personnage donne-t-il son nom à un film? Oui. Ton personnage est-il masqué? Ah non, mon pote, c'est pas Zoro. Ton personnage a-t-il participé à la ruée vers l'or? Non. Ton personnage a-t-il joué dans Harry Potter? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Non. Ton personnage a-t-il de beaux abdominaux? Oh oui! Ton personnage est-il un membre des Avengers? Non, mon pote! Ton personnage est-il le fils de Dieu? Oui. Ton personnage porte-t-il un kimono? Non. Ton personnage est-il le fils de Zeus? Oui. Je pense à Hercule. C'est le dessin animé que je regardais à chaque fois que je rentrais des cours. Eh, j'étais complètement omnibulé par ça. Omnibulé. Ça se dit omnibulé, non? De toute façon, c'est ma chaîne, donc j'ai envie de te dire, hein. Bon, maintenant, retourne chercher un objet. Cela est-il électrique? Non. Cela pèse-t-il plus de 10 kilos? Non. A-t-il un rapport avec l'air? Non. Est-ce dur? Non. Est-ce fait de tissu? Non. Cela peut-il s'acheter? Ou se voler? Oui. Est-ce en papier? Non, mais quand j'étais petit, ouais, des fois j'en faisais en papier. Cela se met-il dans la bouche? Oui. Cela se mange-t-il généralement cuit? Non. Est-ce que cela comporte une boisson? Hein? Non. Cela a-t-il un lien avec les vampires? Non. Cela a-t-il un rapport avec la nourriture? Oui. Est-ce fait à base de chocolat? Non. Est-ce que c'est un fruit? Non. Est-ce qu'on le met au réfrigérateur? Non. Est-ce délicieux? Oh oui. Cela a-t-il un rapport avec une sucrerie? Oh oui. Est-ce anglais? Mais j'en sais rien! Tu crois que je suis Wikipédia ou quoi? Cela peut-il être une passion? Je pense pas. Est-ce que cela contient des bonbons? Chelou cette question. Est-ce que cela contient des bonbons? Oui. Est-ce construit par l'urine des... Non, je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est qui. Appartient-il à quelqu'un de connu? Non, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Non. Est-ce une relation entre deux personnes? Un objet, une relation entre deux personnes. What are you fucking talking about, man? Non. Vient-il d'Afrique? Non. Est-ce une planète de la série Doctor Who? Non. Je pense à un bonbon. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je sais que vous êtes en stress chez vous. Enfin non, vous êtes pas en stress, vous en foutez, mais bon. Et la réponse est... Non. C'est pas un bonbon. Non. On continue? Oui. John Browning est-il anglais? Mais j'en sais rien. Non. Je sais pas. Cela a-t-il un rapport avec les jeux de rôle? Non. Est-ce en bois? Ah, ça ferait drôlement mal. Cela a-t-il un rapport avec une brosse? Non. Est-ce un médicament? Non. Trouve-t-on sa définition dans la plupart des dictionnaires? Oui. Est-ce liquide? Non. Cela sert-il à faire des bulles? Oui. Je pense à un chewing-gum. Petit message subliminal pour tous les gens qui puent de la gueule. Et surtout à toi qui es venu me parler dans le RER hier. Si tu regardes cette vidéo, tu dois te reconnaître. Car oui, c'est toi que je vise. Bon allez, maintenant le meilleur pour la fin. On repasse à un personnage. Ton personnage est-il réel? Oui. Ton personnage est-il une fille? Non. Ton personnage a-t-il été découvert sur YouTube? Oui. Ton personnage fait-il partie du milieu des jeux vidéo? Non. Ton personnage est-il dans le domaine de la musique? Non. Ton personnage a-t-il plus de 18 ans? Oui. Ton personnage est-il musclé? Oui. Ton personnage enregistre-t-il ses vidéos dans sa chambre?
Oui. Ton personnage fait-il des vidéos sur YouTube portant sur la musculation? Non, c'est pas Thibaut InShape. Non. Ton personnage est-il asiatique? Eh ben non. Ton personnage est-il de couleur de peau métisse? Non. Ton personnage habite-t-il en France? Oui. Ton personnage est-il en couple avec une femme? Il aimerait bien, mais... Non. Ton personnage est-il déjà passé dans une vidéo de Cyprien? Il aimerait bien, mais... Non. Ton personnage a-t-il de gros bras? Oui. Ton personnage a-t-il un prénom musulman? Non. Ton personnage a-t-il la tête rasée? Non. Ton personnage a-t-il fait de la prison? Il aurait bien aimé pour s'inventer une vie de thug, mais... Non. Ton personnage vient-il du 9-3? Il aurait bien aimé aussi, mais... Non. Ton personnage est-il de beaux abdominaux? Oui. Ton personnage a-t-il combattu à l'UFC? Non. Ton personnage fait partie des pingouins de Pittsburgh? Non. Ton personnage est-il un youtubeur? Oui. Ton personnage est-il un rapport avec le monde culinaire? Non. Ton personnage est-il d'origine étrangère? Non. Je pense à Thibaut InShape. Ah, j'en étais sûr, à chaque fois on parle de YouTube, c'est Thibaut InShape. Et non, c'est pas lui. On continue. Oui. Ton personnage a-t-il un petit frère? Non. Ton personnage a-t-il une petite sœur? Oui. Ton personnage parle-t-il de l'anglais? Oui. Ton personnage fait-il des vidéos comiques? Il essaye. Ton personnage a-t-il un frère ou une sœur? Putain, mais tu viens de me la poser là. Oui. Je pense à Nicolas, youtubeur. Oui, c'est moi, oui. Par contre, comment ça, j'ai pas ma photo? Eh, hey, je reviens demain si elle y est pas. Bah, je pourrais rien faire. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant...